Voici une vidéo qui vous explique comment naviguer au travers des cinq options que nous allons vous proposer pour le réaménagement de la rue Génois-Michaud. Les quatre premières options proposent une circulation dans les deux directions et la dernière dans une seule, donc un one-way. Pour vous orienter, du côté gauche du plan, on y retrouve la rue Rice et du côté droit, la rue de l'Église. Un code de couleur fut utilisé afin de vous présenter les différentes surfaces proposées. En orange, on y retrouve les nouveaux trottoirs. En gris foncé, les nouveaux stationnements. En gris pâle, l'asphalte. Et en vert, l'aménagement d'espace vert. Une vue de l'existant est aussi disponible au bas de la page afin de vous aider à comparer la condition actuelle aux alternatives proposées. Ce plan est disponible en téléchargement du côté gauche et vous y trouverez aussi notre interprétation des différents critères présentés auparavant. Donc, la gestion de la circulation aux automobiles, le soutien au commerce, la qualité de vie des résidents, la sécurité des déplacements, l'aménagement éco-responsable et l'entretien. Les critères qui ont la cote de moins, ce sont des principes d'intervention qui sont plus ou moins appliqués. La cote avec le plus, le principe d'intervention est utilisé, puis le plus-plus vous présente le principe d'intervention qui est mis en valeur.